Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Chaque année, on fait ça. C'est notre moment de détente, notre seul dimanche où on peut essayer de se rassembler avec tout Flumet et tous les copains. La fête de l'attelage, c'est une fête qui tourne autour des, tout simplement des attelages et puis de toute la tradition chevaline qu'il y a dans le Val d'Arly. Dans le Val d'Arly, en fait, on a depuis toujours des chevaux qui ont participé à la vie de la région, de la vie du village. Donc, une grande tradition d'attelage et de chevaux. Et c'est pour commémorer cette tradition qu'on réalise la fête de l'attelage toutes les années. Nous, à la base, on vient de Flumet. Et en fait, on fait la fête de l'attelage tous les ans. On essaye de trouver des thèmes qui changent tous les ans. Donc, voilà, cette année, on a décidé de s'expatrier un petit peu et d'aller voir vers l'Allemagne. Cette année, donc, c'est la 33e du nom. On attend 15 attelages à peu près. Donc, c'est des attelages qui sont mis en œuvre avec des thèmes. Donc, on a toutes sortes de thèmes. Il y a des calèches, il y a des traîneaux tirés par des chevaux. Il y a des chars décorés. C'est un petit peu, on va dire, pour plaisanter et puis pour s'amuser, hein, cette fête de l'attelage. On va dire flash de sauveteur avec une chaise pour effectivement le sauvetage. On a, pour présenter notre cheval Tornado, qui est un croisé comtois Franche-Montagne. Voilà, on le fait chaque année depuis... Enfin, mon mari depuis longtemps, puisque c'est un Flumerant. Moi, ça fait 9 ans avec les enfants. Et puis, voilà, on avait envie, cet été, vu qu'il fait très beau, de faire un peu comme Alerte à Malibu, la série. La fête de l'attelage se déroule donc tout au long de la journée avec un défilé qui a lieu à 11h, un autre défilé à 15h. Et puis on a entre-temps des groupes folkloriques qui vont aussi nous faire des interprétations de leur répertoire. En fait, on a représenté les Bavarois et la fête de la bière. Donc ambiance un petit peu Allemagne et puis Tyrol. On a fait une boisson avec la cervoise. Donc c'est un mélange de bière, de vin blanc et de citron. Et qu'on va distribuer aux gens qui sont dans la rue pour leur faire goûter, leur faire découvrir. Crédit Agricole, toute une banque pour vous.